Dans cet exemple, je vais vous montrer une technique qui va vous être très utile en 12e année, même à l'université, lorsqu'on cherche à résoudre des équations qui sont assez complexes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye de substituer certaines choses dans l'équation par une variable pour obtenir une équation beaucoup plus simple et ensuite être capable de le résoudre. Donc, j'ai une base de 4, une base de 16, une base de 10 puis une base de 2. Donc, le 2, le 16 et le 4 peuvent facilement s'écrire en base de 2, mais pas le 10. Donc, on va commencer par écrire en base de 2. 2 à l'exposant 2x plus 2 à l'exposant 4 est égal à 10 fois 2 à l'exposant x. Même si je fais ça, je ne peux pas rien faire maintenant parce que j'ai un plus. Deux bases additionnées ensemble, il n'y a rien que je peux faire avec les exposants. Le 10 qui est là, il n'y a pas grand-chose que je peux faire avec non plus. Donc, je suis comme mal pris. Donc, voici la technique. La technique, c'est on va essayer de revoir si je ne peux pas substituer une de ces valeurs par une variable. Donc, disons, posant que A, c'est égal à 2 exposant X. J'ai un 2 exposant X ici, donc, puis j'ai un 2 à l'exposant 2X. Mais le 2 à l'exposant 2X, c'est la même chose que 2 à la 2X. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le A? Ben, si j'ai 2X puis j'ai 2 à la 2X, ça va être la même chose que si j'écrivais A au carré. Parce que 2 à la X, c'est A, puis moi j'ai 2 à la 2X, donc j'ai un carré ici. Plus, mais 2 à la 4, on a vu que c'était 16. Puis on a 10 fois 2 à la X, mais 2 à la X, c'est A. Donc, ça fait 10A. Donc, le fait d'avoir posé que A est égal à 2X, l'équation qui paraissait complexe devient assez facile. Donc, ça nous donne une belle petite équation quadratique que l'on peut résoudre. Donc, ici, on va avoir A moins 8 et A moins 2. Donc, la valeur de A est égale à 8 et la valeur de A est égale à 2. Mais nous autres, on n'est pas à la recherche de la valeur de A, on est à la recherche de la valeur de X. Mais il ne faut pas oublier qu'on a dit que le A est égal à 2X. Donc, si le A est 8, donc on va avoir 8 qui est égal à 2X. Puis, on a trouvé une valeur de A qui était 2 aussi. Donc, 2 va être aussi égal à 2X. Ici, c'est 2 à la 3 qui est égal à 2 à la X. Donc, on peut dire que X est égal à 3. Ici, c'est 2 à la 1 égal à 2 à la X. Donc, on peut dire que X est égal à 1. Et on vient de résoudre l'équation ici. On vient de trouver deux valeurs possibles pour X que l'on peut substituer ici pour que ça soit égal en utilisant ce qu'on appelle la substitution par une variable.